Sous la pression des manifestants du convoi de la liberté, certaines provinces du Canada allègent leurs restrictions sanitaires. Ainsi, le Saskatchewan ou l'Alberta renoncent à mettre en place leur passe vaccinal. Depuis lundi, vous le voyez, l'un des principaux ponts entre le Canada et les États-Unis est toujours bloqué par des manifestants de ce convoi de la liberté. Et c'est pourtant une artère vitale pour les échanges commerciaux entre les deux pays.